Un maire, selon moi, c'est quelqu'un qui est proche de ses administrés. C'est quelqu'un qui est dans la rue au quotidien. C'est quelqu'un qui tutoie ses administrés. Et non pas quelqu'un qui est enfermé dans une tour d'ivoire, dans une bulle de savon, où il prend ses décisions un petit peu comme un technocrate. Le nez dans ses dossiers, c'est beau, c'est intelligent. Mais quelquefois, il faut se souvenir que la carte n'est pas le territoire. Et que ce qu'on va décider dans un bureau, c'est pas ce que les administrés, les gens qui vivent la ville au quotidien veulent. C'est aussi quelqu'un qui est capable de discuter, d'écouter avec la même empathie, la même passion, la même sympathie toutes les personnes qu'il va rencontrer. Que ça soit ma grand-mère de 100 ans, que ça soit moi, que ça soit un entrepreneur, un commerçant ou une personnalité issue de sphères bien plus importantes de la finance, de l'économie, de la culture, du sport, il faut qu'il ait la même qualité d'écoute. Et Philippe Tabarot sera un maire de cet établi. Bon, alors c'est sûr, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Loin de là. Il a un petit défaut à mon avis, il est de droite, mais personne n'est parfait.